Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je reviens avec un nouveau tuto pour vous montrer comment réaliser un gâteau damier. Pour cela, vous aurez besoin de fimo blanche, rose, champagne, chocolat, d'une lame, de bâtonnets d'esquimau, d'un rouleau et d'emporte-pièces ronds ou des bouchons de différentes tailles. J'ai choisi de le faire beige et rose, mais vous pouvez prendre les couleurs de votre choix. On place deux bâtonnets d'esquimaux l'un au-dessus de l'autre et ceux de part et d'autre de la pâte et on vient l'aplatir à l'aide du rouleau. On prend ensuite les emporte-pièces et on découpe trois anneaux, un grand, un moyen et un tout petit. On fait de même pour deux boules de pâte beige et deux boules de pâte rose. Ensuite, on vient reformer un disque en alternant les couleurs des anneaux. En partant de l'extérieur, c'est beige, rose, beige, puis rose, beige et rose. Et enfin, un troisième disque identique au premier. On superpose les disques en veillant toujours bien à alterner les couleurs et on roule légèrement le tout. Pour la décoration du gâteau, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi ici, j'entortille deux fins boudins de pâte ensemble. On vient ensuite faire le glaçage du gâteau. Pour cela, on étale une assez fine couche de fimo chocolat et on recouvre le gâteau avec. On plaque bien sur le dessus et les côtés. On coupe l'excédent et on rajoute de la pâte pour combler les vides. On lisse le tout avec les doigts pour qu'il n'y ait plus de démarcation. On place la déco sur le pourtour. Ensuite, je vous conseille de placer le tout 5-10 minutes au frigo. Et ensuite, on vient trancher les parts et texturer chacune d'entre elles avec une lame. Pour terminer, on enfourne le tout à 110 degrés pendant 30 minutes dans un four traditionnel. Et voilà! Vous pouvez aussi faire une version plus chocolatée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon logo et à liker ma page Facebook. À bientôt!